Le président de la Guinée, Alpha Condé, a été arrêté par les éléments des forces spéciales du pays lors d'un coup d'État ce dimanche. Cependant, un flou persiste sur le fait que le coup a pu réussir. Après l'annonce, par les hommes du colonel Doumbouya, de l'attestation du président guinéen, Alpha Condé, le ministre de la Défense, a sorti un communiqué pour démentir ces allégations, sans toutefois fournir de preuves du contraire. Contacté par France 24, le chef d'état-major des forces armées de Guinée a indiqué ne pas avoir connaissance du communiqué du ministère. En ce qui concerne le chef des putschistes, le colonel Doumbouya, il indique être en train de négocier avec les autres unités de l'armée pour le moment. Il souligne également qu'il n'est pas là pour s'éterniser au pouvoir. Du côté de la communauté internationale, il a été rapporté que les ambassades présentes dans le pays, dont les États-Unis et la Russie, mettent la pression sur les putschistes. L'unité d'élite de l'armée, qui serait à l'origine de ce coup d'État, est dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, identifié comme un ancien légionnaire de l'armée française, revenu au pays en 2018.